C'est enfin les vacances de la Toussaint. Je vais enfin pouvoir me reposer. Parce que trop d'école, ça fatigue la tête. Et la semaine dernière, j'ai acheté un joli gilet pour Harry. Tout rouge comme le mien. Comme ça, on pourra se promener dans la forêt, comme on fait en ce moment. T'aimes bien ça, n'est-ce pas? Tu vas aller où, Harry? Ah tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle. Coucou, maman. T'es dans les toilettes? T'es coincée dans les toilettes? T'as plus de papier toilette? Mais non, attends, mais non! Non! Attendez, elle me demande pour du papier toilette alors que je suis dans la forêt. Mais attends, maman, tu savais que j'étais dans la forêt. Pourquoi tu me demandes du papier toilette? Oui, je sais, mais... Je sais, mais avant d'aller aux toilettes, il faut toujours vérifier s'il y a du papier toilette. Pas après! Là, je suis dans la forêt, donc je peux pas t'aider. Tu vas devoir t'en occuper toute seule. Oui, oui. Elle me demandait pour du papier toilette alors qu'elle savait que j'étais dans la forêt. Parce qu'apparemment, elle était coincée dans les toilettes. C'est trop bizarre. Viens. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Bon, je vais me rapprocher parce que je vois pas vraiment ce que c'est. C'est bleu et jaune avec plein de lumière. C'est bizarre. Allez, viens, on y va, Harry. On aurait dit un cirque. Oui, un cirque. En plus, il est géant. C'est incroyable! Je vais aller voir ce qui se passe dans ce cirque. J'espère que les chiens sont autorisés autour de ce cirque. Allez, viens! Vous. Tiens, mais... C'est quoi ce truc rouge dans l'herbe? En plus, l'objet a l'air grand. Mais c'est quoi ça? Il y a plein de bonbons. Et une chaussure. Elle est trop bizarre, cette chaussure. Il n'y a pas de pointure. C'est une chaussure de quoi ça? De cuisinier? De boulanger? Ou bien de pompier? Oui, peut-être de pompier, puisque c'est tout rouge. La chaussure n'a l'air pas très confortable du tout. Je vais quand même la prendre avec moi au cas où quelqu'un l'aurait perdue. Je vais la ramener à l'accueil du cirque. Peut-être qu'il y a un endroit pour les objets perdus, on sait jamais. Et quant à tous ces bonbons, ben, je les récupère. Dans une caravane. C'est le job de me dépêcher là. Je vais pas rester ici pendant trop longtemps. Je vais plutôt aller à l'accueil du cirque pour leur donner cette chaussure. Au cas où quelqu'un en aurait besoin pour le spectacle. Allez Harry, on y va! Harry! Viens! J'entends des gens. Quelqu'un m'a vu? Quelqu'un m'a vu? Ils m'ont vu! La police qui arrive? La police vient pas juste pour une chaussure qui a disparu quand même. Ah non, il s'éloigne. C'est pas pour moi. Bon, allez, on y va.
mais c'est là, le bureau pour les objets perdus. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un dedans. Tant pis. Les amis, je promenais Harry et tout à coup, j'ai découvert ce cirque. C'est bizarre. Il n'était pas programmé. Personne ne l'avait annoncé. Donc je me suis approchée et j'ai découvert quelque chose de bizarre dans l'herbe. C'était cette chaussure et plein de bonbons. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en photo et la poster sur mon compte Instagram. Comme ça, ça va aider la personne qui l'a perdue à le retrouver. Je vais la poser ici pour bien la prendre en photo. Je vais aussi faire un selfie avec la chaussure et moi. Ici, c'est parfait. Super! J'espère vraiment que quelqu'un va retrouver cette chaussure. Hein. La nuit est en train de tomber. Il est temps qu'on rentre à la maison, Harry. Ok Verity, dont nous sommes installés là, tu penses qu'on va vraiment trouver ce clown? Bah oui, je pense Chelsea. Bah, attends, les amis, coucou, nous avons oublié de vous dire qu'aujourd'hui nous sommes à la recherche d'un clown. Un très très méchant clown. Et la police au fait nous dit qu'il est dans les champs près de chez nous. Donc là, on le cherche avec notre drone. Oui, parce que si on peut le retrouver, on va recevoir un iPhone. C'était quoi le nouveau iPhone? iPhone 13. Un iPhone 13. Si on arrive à trouver le clown méchant, la police va nous rendre un iPhone 13. Donc Verity va voir si elle peut le retrouver avec le drone. Est-ce que t'as tout mis? Oui, voilà, attends. Les amis, d'ailleurs, voilà. Est-ce que vous êtes au courant des clowns qui ont disparu près de chez vous aussi? Est-ce qu'il y a des prix si vous les retrouvez pour la police? Je suis vraiment sûre que Verity va trouver ce clown et que nous allons recevoir le iPhone 13 de la police. Superbe. Verity, c'est prêt? Voilà, c'est bon, c'est prêt. C'est prêt? Oui. T'as tout fait? Ouais, c'est bon, c'est là. Ok. Ouais, donc là, on va regarder cette drone et voir si Verity peut localiser ce méchant clown. Les amis, si vous nous soutenez, qu'est-ce qu'on fait, Verity? Faut laisser un meilleur pouce bleu maintenant. Pouce bleu. Oui, les amis, on a vraiment besoin de votre soutien. Et aussi, peut-être, vous pouvez nous donner des indices. Comment retrouver des méchants clowns comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres astuces à part une drone? Allez, Verity, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ta drone est bien chargée d'ailleurs? Oui, il est bien chargé. Attends, je dois le programmer. Donc, Verity programme la drone et ensuite nous allons voir si on peut retrouver ce méchant clown. Les amis, vous pouvez regarder ces informations sur le clown et comme ça vous avez une meilleure idée de ce qu'on recherche. Nous avons remarqué que de dangereux clowns ont mystérieusement disparu d'un hôpital psychiatrique en région parisienne. Il s'agit d'une unité psychiatrique de haute sécurité, pourtant très bien surveillée. Ces disparitions datent d'hier et voici la photo de leur chef. Donc, ces clowns qualifiés de dangereux sont maintenant recherchés par la police. Information importante, il semblerait que ces clowns se cachent plus généralement dans les campagnes. Les personnes qui retrouveront ces clowns doivent donc contacter la police et recevront
un iPhone 13 en remerciement. Et voilà, vous avez vu les amis, il est vraiment, vraiment, vraiment méchant. Donc il faut le retrouver, il faut aider la police. Verity, ça va? Oui, mais là c'est difficile parce qu'il y a un câble qui a presque pété. Un câble a presque pété? Non, c'est lequel? C'est le vert ou le rouge? Le rouge. Le câble rouge? Oh là là, et regarde, la batterie de ma caméra va bientôt s'éteindre. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Oh, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on va arriver à trouver ce méchant clown, Verity? Voilà, attends. Tu l'as réparé? Oui. Bravo, Verity. Ok, donc là, nous sommes près de la gare, au fait, les amis. Nous sommes vraiment près de la gare où le train passe, le train qui passe très très vite. Oui, là, je le remonte. Fais attention, Verity, il ne faut pas baisser la drone. Parce que si un train passe et l'écrase, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Ok, donc là, tu tournes. Je tournais à droite. Oh, c'est sympa, ça, tu tournes super bien. Merci. Mais moi, je ne vois rien. Regarde, il y a un train. Je t'ai bien dit qu'il fallait faire attention avec les trains. Fais attention. Mais Verity, il n'y a personne là. T'inquiète, il faut continuer à chercher, on va le trouver. Mais peut-être qu'il s'est déplacé, ce méchant clown. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, regarde cette petite maison bleue. Tu penses qu'il se cache là? Je sais pas du tout, je pense pas. Les clowns n'aiment pas les maisons bleues. Ils aiment pas? Non. D'accord. Mais ce train est super long. Oh là là. Waouh. Mais qu'est-ce que... Waouh. Regarde comment c'est long. Mais elle est belle la campagne. Mais pourquoi le clown est là? Est-ce que tu sais s'il y a des enfants tout près? Parce que les clowns aiment bien manger les enfants. Je sais pas du tout. Attends, je vais essayer d'avancer. C'est quoi ça? C'est une rivière? Non. Ah, c'est un champ. D'accord. D'accord. Avance-toi, ouais, c'est bien ça. Attends, je vais devant encore. Oh là là. J'aime bien la forêt, mais pas s'il y a un clown super méchant à l'intérieur. Allez, Verity. Trouve-le. Est-ce qu'il y a d'autres indices? Les clowns aiment bien les ballons rouges. Est-ce qu'il y a des ballons rouges quelque part? Non, je pense pas. Non, zéro ballon rouge? Oh là là. Allez, Verity. Avance-toi. Toi aussi, tu peux m'aider, Chelsea. Moi? Oui. Oh ben non, je sais pas comment gérer des drones. Mais c'est toi, Verity, l'informaticienne de la famille. Bah, tu fais un bon travail d'ailleurs, hein. Ça peut, les amis, peut-être ça va nous prendre des heures et des heures pour retrouver ce méchant clown. Ouais. Mais bon, c'est nécessaire si on veut gagner ce iPhone 13. Moi, je peux l'avoir parce que toi, t'as eu l'iPhone 12. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça, Verity? C'est un point particulier? Ouais, c'est bien de tourner. Tourne-toi. Ouais. Bah, voilà encore la maison bleue. Je vais m'avancer. Ok. Tu penses que c'est une indice, cette maison? Je sais pas, attends, je vais regarder. Allez, avance-toi, Verity. J'essaye. Attends, c'est quoi là? Regarde! Quoi? Où? Où, Chelsea? Je croyais que j'ai vu... des cheveux, quelqu'un avec des cheveux multicolores là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une voiture par terre? Qu'est-ce qui se passe? Verity, qu'est-ce que c'est? C'est une c'est un trou, je pense, ou une voiture. Tu peux pas te rapprocher? On est très loin là. Oui, mais il faut pas que le clown voie le drone. Ok, donc les amis, Verity dit qu'il ne faut pas se rapprocher. Il faut être dans l'air un peu loin pour que le clown ne nous détecte pas, qu'il ne sache pas que nous sommes là à le rechercher au fait. Ça va? Oui, attends, je vais mon manteau. Comment tu gères le drone? C'est quoi, Verity? Une voiture, non? Les amis, qu'est-ce que c'est cet objet? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une indice que le clown est bien là? C'est des poubelles ou c'est quoi?
Il a laissé des déchets dans la forêt, mais c'est interdit ça, Verity. C'est interdit de faire ça. Il doit mettre à la poubelle. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Verity, rapproche-toi un peu. Je peux pas, c'est difficile là. Tendrais, voilà, je suis un peu tournée. Les amis, est-ce que vous pensez que Verity et moi, nous allons retrouver ce clown, ce méchant clown qui est poursuivi par la police et toute la justice? Il y a quelqu'un qui marche, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais il a un manteau jaune? Attends, rapproche-toi. Verity! Attends, c'est lui? J'essaie de me rapprocher, attends. Mais comment t'as fait ça? Je sais pas, on sait pas si c'est lui. Hein. Attends, c'est qui ça? Mais il a un manteau jaune, un pantalon bleu et rouge. Il a un pantalon bleu et rouge. Attends, mais il n'a pas les cheveux rouges. Il a juste un pantalon bleu et rouge. Est-ce que t'es le clown? Je croyais que le clown avait les cheveux. Il vient. Oh, il se déshabille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ça fait peur. Il y a des cheveux roux, non pas roux, des cheveux roux. Attends, mais c'est qui? Est-ce que c'est le clown, les amis? Est-ce que c'est le clown? Je sais pas du tout. Verity, qu'est-ce qu'il fait? Suis-le, ne le lâche pas. Oh, le drone a fait des bruits, il a entendu. Chez les poissons qu'il a entendu. Non, stop. Il ne voit pas, il n'a rien, Verity. Il a quoi dans la main? S'il te plaît, Verity. J'espère qu'il vous est d'accord. Non, est-ce qu'il sait que c'est nous? Qu'est-ce qu'il fait? Ne bouge pas, le drone. Bah, apparemment, il est heureux, il danse, mais il revient en arrière. Pourquoi il danse? Il tourne en rond. My God. Ça me fait peur. Verity, attention, fais très attention. Je ne veux pas qu'il sache que nous sommes là, hein. Oui. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais peut-être il va nous montrer où il est caché. Attends. Je croyais qu'il avait remarqué le drone. Non, ça va, il a pas remarqué. C'était un. Mais pourquoi il se tourne tout le temps? T'as qu'à regarder. Attends. Où est-ce qu'il? Qu'est-ce qu'il? Il cherche quelque chose. Il a caché quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Je vais me rapprocher, je me suis rapprochée. Rapproche-toi, Verity, qu'est-ce qu'il cherche? Attends! Qu'est-ce qu'il a dans... Il a une arme! C'est une hache? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Il a une arme et il va où? Je vais vraiment le suivre. Ok, bah toi tu le suis et moi je vais appeler la police. D'accord, vas-y. Attends, mets mon téléphone. Regarde. Allô? Police, secours. Oui, au fait, nous avons regardé les informations hier et nous avons vu que vous étiez à la recherche d'un clown, un méchant clown. Il venait. Il sait que nous sommes attends, là. Attends, je viens. Attends. Excusez-moi, monsieur. Nous sommes à la recherche d'un méchant clown que vous recherchez. Nous avons trouvé un méchant clown que vous recherchez. Et au fait, ma fille le poursuit avec un drone. Et j'ai l'impression qu'il nous ait remarqué. Et là, je ne sais pas. Nous sommes dans les champs, oui, près du clown. S'il vous plaît, venez vite. Parce que là, j'ai peur qu'il sait que on le suit. Puisqu'il nous a demandé de le suivre. Et il faut le suivre. Mais non, nous ne sommes pas la police. On a besoin de votre aide. S'il vous plaît. Oui, nous sommes des youtubeurs et au fait, on filme tout et on poste sur notre chaîne. Nous sommes dans la forêt. Tu es sûre que c'était un clown? Oui. Bon, les amis, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un clown tueur. Ça peut être très dangereux, le clown. Donc, il faut vraiment faire attention. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu des clowns tueurs près de chez vous. Jessie, avant de commencer, est-ce que je peux faire 3 dédicaces? Bah, bien sûr. On adore les abonnés et c'est sympa de faire des dédicaces. Ok. C'est qui le premier? C'est...
Israël King. Coucou Israël King. C'est quoi le commentaire Verity? Team Verity, hashtag Team Rose Vacances, oui. Ah, c'est un commentaire à propos de notre dernière challenge, Rose versus Bleu au supermarché. Mais Chérie, tu portes mon t-shirt? Ben oui, je porte le t-shirt Verity, hashtag Vacances. J'adore ce t-shirt Verity, oui. Merci beaucoup. Toi, tu l'as en bleu aussi aujourd'hui. C'est super sympa. Merci. Et vous les amis, si vous voulez aussi ce t-shirt, il est disponible sur le site web verityandchelsea.com. Alors Verity, c'est quoi le deuxième commentaire? Il vient de Nounou Ben. Oh, coucou Nounou Ben. Il dit, je t'adore Verity, tes vidéos sont incroyables. Team Verity, et je vous aime aussi Chelsea et Tia Baby Boss. Bisous, je vous adore. Oh, moi, moi, moi. Bisous Nounou Ben, et merci pour ce gentil commentaire. Et la troisième dédicace Verity, c'est pour qui? Aïsata. Oh, c'est quoi son commentaire? Coucou Verity, Chelsea et Tia, vous êtes les bestes. Je vous adore. Gros bisous. Aïsata, on te fait des gros câlins, des gros bisous. On te souhaite des super vacances d'été. Merci, merci. Donc Verity, maintenant on a fait des dédicaces, on passe à l'action, la chasse aux monstres. Au fait, tu as dit que c'est quoi? La chasse aux clowns. Ok, bon, on va se déplacer. Tu mets ta ceinture? Oui, je vais mettre ma ceinture, une seconde. Tu as bien pris le drone? Oui, oui, enfin, je l'ai pris. Attends. Il est chargé, hein? Oui, il est chargé. Ok, bon. Allez, c'est parti. Je fais la marche arrière. Et on conduit. De la maison. Tu as l'adresse où il a été vu la dernière fois, oui. Ce clown tueur? C'est pas très loin, c'est à peu près 15 minutes d'ici. D'accord, ok. Donc là les amis, on part de chez nous et on va à la poursuite d'un monstre. Oui. Si vous nous soutenez, laissez des méga pouces bleus maintenant et dites-nous dans les commentaires que vous nous soutenez parce que ça nous donne beaucoup de courage. Chasser des monstres, c'est un travail très difficile parce que parfois, nous sommes en danger. Donc, on a vraiment besoin de savoir que vous nous soutenez et aussi que si jamais quelque chose nous arrive, vous allez contacter quelqu'un pour venir nous aider, quoi. Oh là là. Bon, je vais conduire, donc je vous dis à tout à l'heure. 5 minutes later. Attends. Ça va, Verity? Oui, 0, 1, 1, 0. 1, 0. Tu sais, je dois t'avouer quelque chose, Verity. J'ai quand même un mauvais pressentiment pour cette chasse aux monstres cette fois-ci. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne trouves pas ça étrange que la police nous contacte, nous, cette fois-ci, et nous demande d'aller à la recherche de ce clown? D'habitude, on reçoit des notifications qui sont envoyés à tout le monde. Mais non, t'inquiète pas. Et c'est bon, j'ai fini mes réglages. On va commencer. D'accord. Oh là là. On est dans la forêt. Ouais, nous sommes bien en hauteur. Hein. Le drone, il est super bien chargé. C'est juste là-bas. Hein. Et voilà, on peut faire tout le village comme ça. Au fait, on peut même voir toute la ville. C'est incroyable ce drone. Il est très puissant. On est où la Verity? Là, on est juste à côté de la crèche de Tia. Ah, d'accord. Bah, la crèche est fermée actuellement. Oui. C'est chez mes amis, ça, non? Ah bon? Bah, tu penses que le clown a été là-bas? Vers tes amis? Est-ce qu'ils t'ont contacté? Ah non, justement, ça fait une semaine qu'ils m'ont pas contacté. Bon, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien. Continue à chercher dans la forêt. Oui. Bah, la forêt, elle est grande, dense, avec plein d'arbres. Et regarde, il y a même la rivière. Oh là là, où est-ce qu'il peut être caché, ce clown? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un arrêt à bus? C'est une station de service? Oui, peut-être. C'est un magasin? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une station de service. Bah, rapproche-toi, comme ça on verra. Oh là là!
ce drone, il bouge trop, tu trouves pas? Ouais, je trouve. Je pense qu'on devrait en acheter un nouveau. Un nouveau drone? Oh là là, les amis, est-ce que vous connaissez des meilleurs drones? Dites-nous dans les commentaires, comme ça on ira voir sur Amazon si on peut commander un nouveau drone. Parce que Verity, elle pense que le sien peut-être ne marche pas super bien. Mais qu'est-ce que c'est alors, Verity? C'est un magasin? C'est une station service. Une station service. Oui, la station service, c'est où on prend de l'essence pour la voiture. Et des goûters. Et aussi, on peut aussi acheter des goûters, en effet. La dernière fois qu'on était aux stations service, c'était pendant le Yes Man Challenge. Mais non, il n'y a personne dans cette station de service cette fois-ci. Elle est bizarre, cette maison rouge. Bah, ça ressemble à une école, au fait. Ah, une autre station de service? Beaucoup. Bah, je pense pas que je connais celle-ci. Ah bah si, tu la connais, non? C'est celle où on va normalement pour quand on rentre de mon école, quand on rentre en fait. Ah bon? Bah oui, tu la connais. Quand on rentre de ton école? Oui. Ah. Mais pourquoi il y a deux camions qui se sont arrêtés comme ça près de la station? C'est un peu étrange. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a même trois camions. Trois, regarde. Non, et pourquoi ils sont garés comme ça? Parce que c'est impossible d'entrer dans la station de service quand ils sont garés comme ça. C'est très bizarre. Mais attends, regarde autour. Est-ce qu'il y a d'autres choses étranges? Cette voiture blanche, par exemple, elle appartient à qui, Verity? Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est très étrange. Tu as remarqué quelque chose? Ça bouge. Ça a bougé, le camion. Il bougeait, non? Bah oui, peut-être ils veulent se déplacer. Est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait chercher des camions? Dans le mail, Verity, est-ce qu'ils ont dit ça? Attends, mais quelque chose... On va s'éloigner. Là, on rentre vers la première station service. Mais il y a plein de voitures sur la route, donc je pense pas que c'est très dangereux. Oui, oula. Qu'est-ce qui va pas, Verity? Il y a beaucoup de vent, je trouve. C'est pour... Ah mais oui, c'est pour ça que le drone bouge beaucoup. Les amis, si vous faites une chasse aux monstres, faites très attention. Et aussi, ne le faites jamais seul. Verity et moi, nous sommes toujours ensemble parce qu'on ne sait pas ce qui va y arriver. Et nous avons un drone parce qu'on peut voir en hauteur. C'est très important parce que si un monstre voit... Lui faire la chasse, oh là là, c'est très dangereux. Ne le faites surtout mais pas. Mais c'est surtout difficile avec Siren Head parce qu'il est, très grand. Oui, en effet. Donc, tu retournes aux stations de service encore? Oui, parce que je trouve que c'est étrange tous les camions. Mais ils sont dans l'autre? Non, ça c'était dans l'autre. Ça c'est le première station de service qui apparaît être abandonnée. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu as vu quelque chose? J'ai un peu l'impression que j'ai vu quelque chose, oui. Sérieux? Ben, c'était juste un animal, peut-être? Ah oui, parfois il y a des animaux dans la nature. Par exemple, je vois souvent des lapins, oui, des renards, plein d'animaux sauvages, en fait. Mais il n'y a personne dans cette station de service? Personne du tout? C'est très bizarre. C'est très bizarre, quand même. Pourtant, elle a l'air nouvelle. Oui. Et pourquoi ça sera abandonné aujourd'hui? Oui. Attends, je vais essayer de les appeler pour d'accord. voir s'ils sont ouverts. Oh, attends, voilà le nom. Ouais. Ça sonne, hein? Ça sonne. Non, 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 c'est quoi ça? Fille, prends une photo! Mais prends une photo d'écran, hein, Verity! Je sais. C'est quoi? Tu sais, j'ai peur. Il nous a vus. Non, non. Attends, non, c'est le salarié. C'est un salarié, ça? Attends, rapproche-toi de Verity. Non, mais là, j'ai l'impression... Tu penses qu'il nous voit? Non, mais c'est un salarié, non? Attends, rapproche... Pourquoi il joue à cache-cache? Attends. Bah, il nous appelle. Quoi? Attends... Bah oui, ok, d'accord. Avance-toi, il nous appelle. J'essaye de me avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une danse? Attends. Il fait une danse. Je pense que c'est un salarié. Ils ont changé de tenue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Il fait un TikTok, non? Ah, ouais. Et oui. Bah ça arrive parfois. Les salariés font des TikTok maintenant partout. Oui. Donc même dans la station de service. Attends.
Il se cache de nouveau, Verity. Pourquoi il se cache? Ça c'est bizarre. Attends, rapproche-toi, Verity. Mais j'ai trop peur de me rapprocher. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes dans la voiture. Il ne sait même pas que c'est nous. Il voit juste un drone. Bon, ok, j'essaie de me rapprocher. Très bien. Je vais aller quand même. Je vais pas aller trop vite. Hein. Oui, ne va pas trop vite, on ne sait jamais. Il danse encore. Peut-être qu'il fait du sport. Ah oui. Ou bien c'est une animation pour essayer d'attirer des clients. Ah oui. Oui, mais bah, regarde, cette station de service est vide. Il n'y a pas de clients. Donc peut-être il s'est déguisé comme ça pour animer et pour éventuellement faire parler de lui. Et ouais, il doit imaginer qu'on va poster cette vidéo sur Instagram, Facebook, YouTube. Et comme ça, il aura des clients. Oui. Regarde, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il a des clients? Bon, moi, je vais poster cette vidéo pour l'aider. D'accord, vas-y. Je le poste tout de suite. Et je mets l'adresse du station de service. Mais bonne comme idée. Ça... ça va attirer des clients. Oh, regarde, j'en ai déjà un. Bah, c'était rapide. Voilà, Verity, c'est ça qu'il voulait. Oui. Il y a une première voiture. Donc, il va pouvoir vendre de l'essence. C'est qui, ça? Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il se cache s'il y a un client? C'est pas ça qu'il voulait? Il me semble qu'il y a des gens dans la station de service qui travaillent. Hein. Mais non, lui, il travaille à la station de service. Il est juste déguisé en clown pour faire rigoler les gens, Verity. Mais qu'est-ce qu'il fait, alors? Bah, peut-être qu'il veut surprendre le client avec un cadeau, par exemple, un bon d'achat où il dit, voilà, vous allez avoir moins 10% sur l'essence. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air... Ce client est énervé. Oui. Pourquoi? Il retourne dans sa voiture? Oh non, il va partir! Mais pourquoi? Attends, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi? Il apporte des fleurs? Ah, c'est des fleurs! Oh, c'est gentil! C'est gentil! Ah! Chelsea, il essaie de tuer le client! C'est pas possible! C'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce clown? Mais cours! Mais c'est le clown! Cours! Il s'est échappé. Oh non, c'est le clown. Mais je croyais que c'était le salarié qui était juste déguisé. Moi aussi. Il a fait ça pour quoi? C'est pour prendre la voiture du client? Non. Verity, j'espère que tu enregistres tout ça. Oui, oui, c'est bon. Il a volé la voiture d'un client. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il part. Impossible! C'est... Quoi? Ça va pas, non? Il est horrible! C'est injuste! Comment il arrive à faire ça? Et il sait conduire en plus, ce clown! Pourquoi il conduit en arrière? C'est pas normal! J'ai pas l'impression qu'il sait conduire. Hein. Bah si, il sait conduire, Verity, regarde! Mais t'as peut-être raison, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond! Il tourne en rond! C'est bizarre, ça. Mais s'il a une voiture, ça veut dire qu'il peut, il peut nous retrouver ici, Verity. Chelsea, je pense qu'on devrait partir. Attends, non, on enregistre tout ça et on partage à la police, puisque c'est pas loin d'ici. Enregistre tout! Est-ce que tu peux voir le modèle de voiture? Non, je peux pas. Oh! Je regarde. Non! Voilà! Mais la station service, c'est celle qui est là-bas, non? Attends, Verity. Attends! Attends! C'est quoi? C'est qui? Thank you.
Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Oh là là. Oh, Verity. 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 Les amis, je ne comprends rien. Pourquoi je me réveille ici, dans ce champ? Où est Verity? Où est ma fille? Aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Verity! Verity! Verity!